Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Pal, ça se trouve pour ce tout nouveau Let's Play. Bienvenue les amis pour cette toute nouvelle aventure sur Pokémon version noire. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Paradox et on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play Pokémon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Pokémon version noire. Vous allez voir si ça fait les choses n'importe comment. On est parti en random. J'espère que vous allez bien. Il faut savoir que j'ai jamais fini noir. J'avais déjà joué il y a un petit moment, mais je l'avais jamais fini. Donc, je vous propose qu'on le découvre maintenant. Je vous ai fait un petit overlay. Et d'ailleurs, normalement, si je me suis pas planté dans l'overlay, si je fais... Si j'enlève ça et ça, voilà. Il y a un fond. Il y a un fond derrière, donc ça évitera que ce soit tout noir. On est parti pour Pokémon noir. Pourquoi j'ai choisi Pokémon noir plus que Pokémon blanc pour Reshiram, que je préfère à Zekrom. Voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que vous allez bien, les amis. Moi, ça va nickel. On perd pas plus de temps, les amis. On démarre tout de suite. C'est tout nouveau jeu. Donc, on est en random. Alors, il faut savoir que j'ai tout randomisé. Sauf les évolutions des Pokémon qui sont pas random. Mais donc, je vous propose que j'ai une touche qui marche pas. Oh. C'est bon. Ok. On va démarrer une nouvelle partie. Hello, hello. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria. Mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Donc voilà, je trompe pièce plus à la cool détente. Eh oui, le monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident. Et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires. Et permettent d'approfondir les liens entre les dresseurs et son équipe Pokémon. Et dis-moi, justement, j'étudie ces fameux... Et moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? On va prendre le gars, le garçon bien évidemment, et on va s'appeler Helpara. Ok, allez les amis, c'est parti. Ah, ça fait du bien d'en revenir sur des anciens Pokémon. Para, quel joli nom, c'est vraiment trop mignon. Bien, laisse-moi te présenter tes meilleurs amis. Lui, c'est Cher, ce garçon, c'est Cher, il est peu spécial mais il a un bon son. Cette fille c'est Bianca. Elle est très gentille et puis elle fait de son mieux. D'accord. Une fille d'équipe, n'est-ce pas? Et comme j'ai confiance en vous, je vais vous confier à chacun un Pokémon. J'espère que vous en prendrez bien soin. Para, dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton plus fidèle compagnon de voyage, ton aventure va commencer. Tu vas rencontrer des centaines de Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres. Et qu'elles te feront grandir dans l'objectif principal de ce voyage. C'est l'objectif principal de ce voyage. Mon trêve de bavardage en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon Kiki. Bon. Bon, 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 bon. Allez, on est parti. Je sais que niveau graphisme, beaucoup de gens le trouvent très spécial ce Pokémon. C'est vrai que je trouve que c'est le Pokémon qui a le peut-être moins bien vieilli, honnêtement. Para, le professeur Keteleria nous a dit que nous allions recevoir des Pokémon. Bianca, elle est encore... Piou, piou, désolé, désolé, je suis en retard. Bianca, comment te dire? Je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme qui est, soyons-francs, plutôt lent. Mais bon sang, c'est aujourd'hui que le professeur Keteleria distribue des Pokémon. Mais j'ai dit que je suis désolé. Bon, para, Cheren. Bon, ils sont où ces Pokémon?
il devrait déjà être chez toi. Chez toi pas. Donc c'est à toi de choisir le tien en premier. Cela va sans dire. Dans cette boîte, trois Pokémon nous attendent. Va pas, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc. Nous mourrons d'impatience. Les amis, les starters, attention. Tu trouveras ci-joint à cette lettre trois Pokémon avec tes amis. Choisissez-en un. Choisissez chacun le vôtre tant vous disputez amicalement, professeur Ketelaria. Attention, voilà les amis, les trois starters. Tiplouf, Chenipot ou Drab. J'aimerais beaucoup. J'hésite en fait. Chenipot, ça dégage. J'hésite entre Drabi ou Tiplouf. Et je pense qu'on va partir sur Tiplouf, vous savez quoi? Ça me tente bien, Tiplouf. Allez, on prend Tiplouf. Vous obtenez un Tiplouf. Je prends celui-ci. Bon, par contre, celui qui va avoir Drabi, à mon avis. Et pour Tyrann, ce sera celui-là. À mon avis, pour celui qui va avoir Drabi, ça va être assez complexe. Pourquoi tu parles anglais? Bon. Tout le monde a son Pokémon. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est l'ordre d'un combat Pokémon. Bianca, si je peux me permettre, ce n'est pas parce qu'ils sont encore faibles qu'on peut s'autoriser ce genre de fantaisie en intérieur. Mais non. Tu n'y connais rien. Ils sont encore tout mimi et faiblards. Si on ne les fait pas combattre, ils ne pourront jamais devenir très forts. Allez, parents, en garde. Le premier combat, les amis, contre Bianca. Et c'est le cas de Rami. Super. Bon. Et non, on a d'autres types loups. Donc, il faut savoir que les attaques, je crois, sont random. Voilà. Genre, on a piqûre de type sol et coup double de type eau. Ça paraît logique. Alors, attendez. Coup double. 50-100 aussi. Ok. Bon, bah, on va faire coup double alors. Voilà, les capacités sont random. Ouais, je sens que ça va être complexe. Faut savoir que voilà, je peux accélérer le fight si jamais ça prend trop de temps. Je pense qu'on va accélérer un petit peu. Au moins ce premier fight. Qui va prendre un temps fou. En sachant que... Attendez, je vais voir si je peux pas carrément mettre ça sur... voilà. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Comme ça? Ok, voilà. Tiplouf passe niveau 6. Parfait. Et maintenant, on va se battre contre Tyrann. Contre Tyrann, ça va vraiment être beaucoup plus simple. Eh bien, pas. T'assures. J'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur. Bianca, tu regardes autour de toi. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon, ils rigolent pas. Pourtant, ils sont si petits et si mimi. Je suis trop content d'en avoir enfin. Para, tu te fâches pas, hein? Ma petite Bianca, tu es irrécupérable. Prête-moi donc ton Pokémon que je le guérisse. Il faut aussi soigner ton Pokémon, Para. Et si vous faisiez un duel avec Tyrann aussi? Comme il est super balèze, je suis sûr qu'il pourra se battre sans mettre un bazar comme moi. Excellente idée.
Avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon, aucun risque pour que cette chambre souffre davantage. Et puis, ce serait injuste qu'il y ait que vous deux pour profiter des Pokémon. Pourquoi tu parles anglais par moment? Oh, comme si la Rome était très mal traduite. Allez, on voit ton chenipote. Bon, vraiment, chenipote, ça devrait aller assez rapidement. Pour le coup, piqûre. Ah, est-ce que vous pensez que piqûre est vraiment passé de type eau, du coup? Je sais pas. Enfin, piqûre est vraiment passé de type sol? Je sais pas. C'est pas grave. Voilà, chenipote, ça dégage quand même. Type louf passe niveau 7. Parfait. J'écoutais de manière imprévue à la défaite pour ce premier combat. Mais cette sensation serait déjà devenue un dresseur. Par contre, il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour tout ce désordre. C'est vrai. Moi aussi, il faudrait. Bah voilà. Bon, attendez, je vais vite fait juste faire un truc parce que ça me perturbe. Voilà. C'est bien mieux. Bonjour. Nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Pour le rangement. Le rangement? Quel rangement? Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout. Vous ne devriez pas aller voir le professeur qui était à l'arrière, par contre? Si, vous avez raison. Sur ce, veuillez nous excuser. Nous voudrions pas le faire... Nous voulons pas la faire attendre avant de lui présenter nos remerciements. Je vous attendrai devant son laboratoire. Moi, je dois repasser à la maison. On est désolé pour tout le désordre. Ouais, bande de lâches. Eh bien, mon bébé, les combats de Pokémon, c'est quelque chose. J'ai entendu vos Pokémon glapir depuis le rez-de-chaussée. Ah, je me souviens de ce premier combat. Mais j'y pense. Il faut que ton Pokémon puisse récupérer. Ok, parfait. Et voilà, il est en pleine forme. Et puisque tu sors, n'oublie pas de prendre ton V-Kit. Donc voilà, donc ça, le V-Kit, ça va être... comment dire, un espèce de téléphone, en fait. Toi aussi, il faut que tu ailles remercier le professeur, n'est-ce pas? Allez, file. On est parti. Attendez, je regarde un tout petit truc. Ok, bon. Bon, je peux vous le dire, je connais un minimum le jeu. Faut aller voir Bianca, voilà. Avant d'aller voir Chan. Non, non, et encore non. Moi, je serai un super dresseur. Et j'ai même mon Pokémon. Je peux partir à l'aventure. Ça ira, ça ira. Je vais t'attendre devant le laboratoire. Bizarre. Ok, donc là... Ok. Salut. Allez, il faut aller voir le professeur. Bon, là, on va avoir une longue phase de blabla. Hello, je vous attendais, mes jeunes amis. Laissez-moi vous faire les présentations à nouveau. Je me nomme... Professeur Ketelaria. Nous connaissons votre nom, quand même. Shiren. Je te pensais... Ah, plus cool, quand même. Que ça, quand même.
D'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Je commence donc les présentations. Je suis le professeur Kateria et j'essaye de percer le mystère de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Mais c'est génial, vous avez participé. Bon, je vais avancer un petit peu là. Je vais avancer parce qu'on s'en fout. Voilà, elle va nous donner le Pokédex. Voilà. Tac, on se donne rendez-vous sur la route 1. Demander pour lui rendre un service, on peut. Et si on peut chercher ce qu'on a envie de faire, hein. Je pense que notre guide est... Voilà. Donc en gros, il nous a demandé de compléter le Pokédex. Comme dans tout Pokémon. Eh, para, attends-moi. Voilà. Et vous a demandé de compléter le Pokédex, c'est formidable. Que c'est excitant, honnêtement. Toujours au courant. Ok, on obtient la carte. Parfait. Donc lui, range ta chambre. Parfait. Ok, donc voilà, donc la réunion s'unit. Avec la carte, oui. Allez. Ok, donc on va aller direction route 1. Donc voilà, c'est juste là. Par là, c'est par ici. Bianca dit que quitte à partir en voyage, elle préférait qu'on fasse les premiers pas tous ensemble. Eh pas. Et si on allait ensemble à la route 1? Sur ce, allons-y. Je me sens toute chose. Bien. Ne faisons pas attendre le professeur Ketelaria plus longtemps. Professeur Ketelaria, pardon de nous avoir fait attendre. Je peux commencer les explications. Bon, on va nous expliquer comment capturer des Pokémon. Bon, tout ça, j'accélère, on connaît. Surtout qu'en plus, ça a des Pokémon nuls, nous, on va avoir des Pokémon trop bien. Ouah, bravo, t'as capturé un dentif. Fous-moi la paix! Voilà, je vais faire le dialogue. Bon, vous connaissez. C'est pas intéressant. Enfin, c'est vrai, c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant. Mais bon. C'est vraiment la base du jeu, en fait. Voilà. Bon, on peut pas courir encore. Il semblait qu'on pouvait courir direct dans ce jeu-là. Il faut croire que non. Un crack noir, ok. Bon, par contre, j'aimerais bien que t'apprennes d'autres attaques, parce que c'est pas terrible. Ok, piqûre, ça dégage. Ok. J'ai encore vite fait quelque chose, option. Vitesse de texte 3... Oh, sans sens. Ok. Voilà, comme ça, les dialogues iront peut-être un peu plus vite, même si bon. Si ça va pas assez vite, je vous rappelle qu'on peut accélérer. Pareil, du coup, je vais accélérer là, vu qu'on... On n'a pas encore les chaussures. Et là, on a trouvé... Oh! Vivaldan. Je pensais pas trouver un Pokémon comme ça dès le début. Un Pokémon un peu plus classique pour la génération, en fait. Coup double. Ça prend une éternité. D'avance, c'est pas du Nuzlocke, c'est vraiment que du random. Voilà, niveau 8. Ah! Exploforce. Ah! Explofort de type plante. Bon,
Bon, voilà, on XP un petit peu parce que, enfin, vous voyez qu'à mon avis, on va galérer un petit peu. Alors, par an, on compare nos Pokémon, oui, si tu veux. Le dialogue veut rien dire. Le Vokitson. Tout va bien. Oui, Pokémon. Je vous attends entre Pokémon d'Arabelle. Ouais, voilà, donc là, c'est vraiment la phase tuto. On va nous expliquer comment soigner nos Pokémon, tout ça. Salut. C'est pour ça, vraiment, là, il est vraiment bien accéléré, parce qu'on va vraiment tout nous expliquer. Mince. C'est du vraiment trop... C'est du vraiment très classique quand on connaît les jeux Pokémon. Le PC... Les boutiques... Voilà. Tac, on va acheter quelques balls. Je sais pas combien qu'on a acheté. On a acheté 20. Bon, on a acheté 20, vous savez quoi. Ok. Bon. Voilà. Il se passe quelque chose sur la place. Et si on allait voir? Pas bien peu par ici. Leur histoire à eux est intéressante. Écoutez. Écoutez-moi bien. Mon nom est Gettys. Gettys de la team Plasma. Je suis venu apporter la bonne parole, celle de la libération des Pokémon. Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon. Au nom d'un partenariat mutuel et tactique, d'une entraide mutuelle et indispensable. Du moins, c'est ce que pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Songez-y, l'homme préfère se vautrer précédemment dans la certitude, mais ne l'avez-vous jamais remise en question, cette certitude? Que tous les dresseurs, ils asservissent les Pokémon. J'ai l'impression qu'il y a des mots qui sont pas traduits. Je sais pas, il y a des mots qui sont bizarres. Les accables d'orgue. Les pauvres créatures, soi-disant, leurs partenaires, sont leurs serfs. Si j'ose dire la stricte vérité, quelqu'un ose me contredire. Donc voilà, donc en gros, ils sont persuadés qu'en fait, ce qui en soi est pas totalement faux, on se sert des Pokémon que comme des esclaves, entre guillemets. Oh, dis donc. Or donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Nous avons tant à apprendre d'eux. Il est donc de notre devoir, en tant qu'être humain, notre devoir en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas? C'est pour ça. Et c'est là où, pour moi, ce jeu a une force, c'est le scénario est tellement beau, est tellement plus mature. Parfaitement. Nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif de libérer les Pokémon. À cette seule condition, Pokémon et humains pourront, pour la première fois, vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien. Et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement échouée. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention. Et que la paix soit avec vous. Et en soi, à niveau de dialogue, il a pas totalement tort. Bon, vous avez compris que ce sera la team de méchants, entre guillemets. Mince alors. Je ne sais plus quoi faire maintenant. La libération des Pokémon, c'est du grand n'importe quoi.
ton Pokémon. Il m'a parlé. Dis-moi, tu es bien direct. Et l'un des Pokémon parlerait. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent. Mais vous ne pouvez pas les entendre, comme je vous plains. Je m'appelle N. Moi, c'est Chiren, et voici Para. Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex. Et nous voici sur les routes. Même si mon objectif ultime serait de devenir maître, mais bon. Le Pokédex, dis-tu? Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans des Pokéballs. Je suis dresseur, tout comme vous l'êtes, mais j'interroge toujours la moralité, je sais pas. Pensez-vous que ces Pokémon soient heureux ainsi? Ou Para? Oui, Para, c'est cela. Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. Ok, tu m'envoies qui? Tadmorve, ça va. Oh, niveau 7 quand même! Aïe, fais gaffe, je fais mal quand même. Coup double, et normalement ça passe. Ça passe, ok, parfait. Ok, niveau 9. Et bientôt niveau 10, ok. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Mais je suis l'ami des Pokémon. Et pour eux, je dois changer le monde. Quel drôle de bonhomme! Mais bon, ce n'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'ai hâte d'en découdre avec le champion. Je trouve que la police d'écriture est difficile à lire. Encore, je trouve que pour vous sur l'écran, elle rend mieux que pour moi. Pour moi, il est à moitié compressé, c'est trop bizarre. Je sais pas comment je pourrais vous la faire montrer, mais pour moi, elle est vachement compressée. Toi aussi, affronte les champions. Pour devenir un dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. C'est ça la clé de la réussite. On a été soigné ou pas? Je vais te regarder. Oh voilà, on n'a pas été soigné. Tac, vas-y, soigne-nous. Ok, donc, de mémoire... Il n'y a rien à faire ici, en fait. Non, la première route, elle est là-bas. Donc, les amis, on est parti pour aller sur les premières routes. Oh, donc, comme je l'ai dit, c'est pas un Nuzlocke, mais on va pas non plus capturer tous les Pokémon qu'on croise. On va essayer de se limiter à un Pokémon par zone. Le Vokitsen. Mon bébé, c'est maman. Comment vas-tu? Tu t'entends bien avec ton équipe et tu profites de ton voyage, j'espère. J'ai voulu juste apprendre quelques nouvelles... Bon, je dois te laisser, grosse bise. Ok. Mon bébé? Surprise, surprise, je voulais te faire une petite blague. Le professeur m'a dit que tu devais te rapprocher d'Orgès. Tiens, essaye tout de suite. Voilà. Les chaussures de sport. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant dans les jeux récents. Mais en gros... Ok, profitez bien du voyage. En gros, là, on marche. Là, on court. Et ça n'existe plus dans les jeux normaux. Ça n'existe plus dans les jeux normaux. Dans les jeux récents, pardon. Oh! Si on peut le capturer, moi, ça m'irait. Petit plouf, Bulbizarre, moi, ça va! Tac, on va le capturer. B plus bas les gens, B plus bas! Ça n'a jamais marché.
il va être impossible à capturer. Il va m'utiliser tellement de balles. Ah bah non, ça va encore. Ok, les deux bulles bizarres. Par contre, oui, on n'a pas le Pokédex national. Non, je vais pas renommer mes Pokémon. Donc du coup, dans l'équipe, on a Bulbizarre et Tiplouf. Donc Bulbizarre qui est bien de type plante poison. Et qui a quoi comme capacité? Coup de crâne et jet de pierre, ok. En sans plus, ok. Et donc là, on va avoir nos premiers combats. Tu m'envoies quoi? Faromp! Bulbizarre, c'est niveau 16 aussi qu'il évolue. Ouais, c'est ça. Bon, ça va rapporter ma XP, ça par contre. C'est une double évolution. Ah, ça pique. Fais chier. Attention. Ah, purée. Pouvoir antique. Coup double. Ok. On va refaire coup double. Boule armure. Coup double. Ok, ça bute. Parfait. Ok, on est niveau 10 avec Tiplouf. J'ai vu, mais on a... je crois pas qu'on ait le... Ouais, deux niveaux qu'on a gagné. Construction, ok. Donc on est passé niveau 11. Ok, on va y soigner nos Pokémon et je pense qu'on va peut-être mettre Bulbizarre un peu devant. Tac, Pokémon, Bulbizarre. Alors, voilà. Tac, on va y faire tourner. Ah. Ah, bon, comme je vous l'ai dit, on va essayer de se limiter un Pokémon par, par zone. Coup de crâne, 80-95. Ok, donc coup de crâne fait plus de dégâts. Ok. On a un problème, les gens. Ça va être long. Allez, dégage, Raikou. Fais-moi voir l'XP. C'est tout. Un peu déçu. Bulbizarre niveau 5. Niveau 6. Niveau 7. Et ébullition, ok. Quoi? Mais il se passe quoi? Il y a que des starters et des légendaires. Ah, vraiment hydrocanon, ok. Bon, c'est une team de starter, les gars.
votre tourneau, votre tutrice. Bon, on va retourner se soigner. Bon, bah ça commence bien, les gens. Plein de starters et un Raikou. Commence bien. Un autre but bizarre, ok. Mon avion va y passer 3 heures si on est tenté de le combattre, donc on va fuir. Après, ce serait bien quand même. Ok, but bizarre se fait défoncer. Oh mince! Bon. Reptincelle. Alors, on va twitcher. On va faire, vous savez quoi, à l'ancienne. Plus bizarre niveau 8. Ok. Ok, nouveau combat. Énorme. Ok. Ok. Crâne, est-ce que ça fait vraiment mal ou pas? Qu'il fait pas des mal, ouais, il fait pas de dégâts. Il fait pas de dégâts, Bulle Bizarre. C'est ça qui est dommage. On va faire voilà, coup double. Parfait. Il plouf niveau 13, Bulle Bizarre niveau 9. Bon, en tout cas, niveau XP, ça rapporte masse, ces dresseurs-là. Vu les évolutions qu'ils ont, tu m'envoies coup de fiche. Coup de fiche, type O. Je me dis peut-être que... Voilà. Ok. Là, on peut pas y aller. Ici, il y a quoi? Deux balles. Joyeux feu. Les objets sont random. Oui, c'est vrai. Ostrar. Ok. Également. Normalement, j'ai rando aussi les Pokémon qui évoluent avec échange, ils évoluent avec niveau. Et au pas. Si on faisait un combat de Pokémon. J'ai même entraîné les nouvelles recrues de mon équipe. Allons, on y va. Quoi?
Tu m'as soigné au moins. Ouais, voilà, mais hein, t'es mignonne. T'es mignonne, toi. Voilà, Expo Force. Hypo Séance, ça dégage. Ça rapporte masse. Et ton fameux Drabi, ok. Toujours zéro dégâts. Ok, Expo Force, ça fait pas mal de dégâts, donc ça c'est cool. Petit bouffe qui passe niveau 14. Donc les deux, je crois... Ouais, les deux c'est niveau 16 qui évolue. D'ailleurs, attendez, du coup, faudrait que je regarde un truc. Est-ce que vous pensez qu'on... Les choses qu'on peut acheter, ils sont en rando. Je dirais pas ici. Et ici non plus. Mais après, peut-être que c'est plus les marchands de cité et trucs comme ça. Ok. Bon. Il n'est pas là, mais à l'école des dresseurs. Désolé, il va falloir... Si tu veux l'affronter, il va falloir aller chercher l'école. C'est le bâtiment à l'ouest de celui-ci. Ok. Je crois qu'ici, il y a un truc aussi. Voilà, ici, il y a des combats. On va les faire. Tu m'envoies Géolite. Quand même. Le problème c'est que tu fais trop pas de dégâts. Fais vraiment trop peu de dégâts à l'heure actuelle, notre but bizarre. Ce combat va être long. Ouais, c'est bon! Ok. Géolite c'est fait, niveau 10, niveau 11. J'ai pas vu qui c'est qu'elle a envoyé. Darumaru. Ok. Ok, on va refaire une ébullition. Ouch. Ok. Parfait. Bon. Ici on a du fight. On peut peut-être même le faire en combat double, non? Ce serait pas en combat double. Eh, mon but c'est de battre le champion d'arène. Tu crois que tu vas gagner contre moi? C'est pas en combat double, ok. Oh purée, t'as... Carapule! Arrêtez! Ok. Le taxinature de Ultimi. Ok. Niveau 12 pour Bulbizarre. Togeki. On va pas changer, on va changer après. Oh oui, type plouf. Aïe. Expo Force. Bombe acide. Oula, attention. Ou j'accélère un peu les animations de combat. Cogne. Ok.
Ok. Ça fait mal quand même. Coup double, ça devrait passer, voilà. Lumivol. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Oui, ok. Lumivol, ça passe. Ok. On en parle que on a un petit pleuve qui va bientôt évoluer. Déjà. Déjà, les gens. Pardon. Parfait. Tac, on va y retourner. Vestige, j'ai rêve. Et toi, du coup, on t'a battu? Oui. Pourquoi pas? Après, est-ce que j'en veux forcément? Pas pour le moment. Pas pour le moment. J'en veux pas forcément, mais why not, hein? Ok, alors qu'est-ce qu'il y a là? Carapace mule, ok. Ok. Par où est-ce qu'on passe? Par où est-ce qu'on passe, les amis? Il nous faut forcément coupe pour aller là. C'est pas pour maintenant, ici. Ah, c'est peut-être pour après l'arène. Peut-être. Ok, l'école des dresseurs doit être là, je pense. Salut. Prisonniers vont se payer pendant qu'ils se battent, ok. Une affrontée de champion d'arène, oui. Il était là pour... destrier, ok. Que dirais-tu d'un petit duel? Oui, allez, vas-y. Allez, viens te battre. Tu m'envoies qui? Irelia. Ouh. Ok, niveau 8. Ok, trop, ça va, il fait trompette, donc ça va encore. Bon, ça va être long. Ok, il y a une potion. Ok, niveau 13 pour plus bizarre, recyclage. C'est quoi ça, recyclage du type acier? Non. Ok. On faut lui, on s'en fout. Vraiment, elle apprend pas des choses terribles. Chenipote. Ah, son fameux chenipote. Salut. Voilà. J'en étais sûr. La maîtrise des objets et un art. Tiens, pour la peine, voici cette baie. Ok. En faisant tenir une baie à un Pokémon, celui-ci le mangera pendant le combat et reprendra des forces. Par contre, il sera incapable d'utiliser. Un objet fabriqué par un humain comme une potion. Sur ce, j'ai toujours bonne chance. Ok. Du coup, il est rentré ou... Ah, il est là. Ok. Bon, on va faire la première arène et puis on va s'arrêter. Ça vous fera un bon épisode, un bon gros épisode pour commencer. Oui, je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es? Ah, pour un combat à l'arène. Je peux te demander quel Pokémon as-tu pris en premier? Grigui? Il n'aime pas le type O. Hein. Tu devrais faire tes préparatifs, à mon avis. Je t'attends à l'arène. Voilà, donc on va se battre contre le champion de type O parce qu'on est censé avoir pris Grigui. Sauf qu'on n'a pas Grigui. Sauf qu'on n'a pas Grigui, on a type ouf. Ok.
Voilà, une petite eau fraîche. Alors là, en fait, je crois qu'il faut marcher avec la faiblesse. C'est ça. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Tac, feu, c'est l'eau. Voilà, donc ça va vraiment pas être compliqué comme... Bon après, c'est pas parce que tu es champion de type eau qu'il va avoir que des Pokémon de type eau, je crois. Ponchio. Oh, il est vite l'attaque. Ah, Telluriforce quand même. Voilà. Arrête d'éviter toutes mes attaques, s'il te plaît. Niveau 11, quand même. Ok. Ça, c'est plante. Ok, ensuite... Tu as qui comme... Pokémon? Un écrémeux. Écrémeux. Qui dit écrémeux, pour moi, dans ma tête, ça sonne surtout sac à XP. Trip attaque. Attention quand même. Pourquoi il évite toutes mes attaques là? C'est relou. Voilà. Voilà. Bientôt 100 XP pour tout le monde, c'est cool. Piste au point. Ouh, ça peut être cool. Piste au point de type spectre. Hop, toujours en premier. Place de construction. Bulbizarre niveau 14. Solarock. On va changer. On va renvoyer Bulbizarre. Et on va rechanger pour Explode juste après. Ah ouh. Bah je pense qu'on va... C'est vrai qu'on va tenter piste au point. Ça passe, parfait. Solarock 158, ça c'est cool. Ok. Ok. Après on a le champion. Bon, ce que je vous propose c'est qu'on va se soigner, on se fait le champion et puis après et puis on s'arrête là. On aura déjà fait la première arène, mine de rien. De toute façon, voilà. C'est un peu, mine de rien, on va quand même avancer relativement vite. Je compte pas rusher, mais je compte avancer, quoi. Salut! Bienvenue chez nous à l'arène d'Orgès. Moi, c'est Harmon. J'explose tout avec mon Pokémon de type feu. Je me nomme Noah, spécialiste du type eau. Tu vas avoir le droit à ma démonstration. Et puis, il y a moi, j'aime le type plante. Je m'appelle Richard. Je pense que... Comment dire? Si tu te demandes pourquoi on est trois, alors... Pitié, laisse-moi faire. On est trois, t'as vu ça? Ouais, trois. Et on choisit de se fight en fonction du type du premier Pokémon de l'adversaire. Ouais, on est comme ça, nous. Oui, parfaitement. Et ainsi, le Pokémon que tu as choisi est de type feu, n'est-ce pas? Pas du tout. Hein? Ainsi, j'ai l'honneur de t'affronter avec mon type préféré, l'eau. Ok, bah viens de battre. Excellent. Tu vas pouvoir te mesurer à la crème de la fratrie. Oui, donc voilà, encore une fois, on est censé avoir les cuisses, sauf que c'est pas le cas. Ok, et il a Hypocéan. On va pas s'embêter, on va tout de suite changer. Et on va tout de suite faire Expo Force, qui est type plante. Méga sensu. Pourquoi vous avez tous cette attaque? Ok. Le problème c'est que si on rate, on meurt. Ok. Fallait que ça passe.
Bulbizarre niveau 15. Bulbizarre va prendre point éclair, c'est trop bien. Point éclair qui a du type normal, je m'en doutais. J'ai pas vu... Ah, j'ai pas vu qui c'est qui l'a envoyé. On va pas changer. Ouais, lol. Et là, maintenant, on va switcher pour Bulbizarre. Ok. Luxray, on... Ah, quoique, attendez, on devrait peut-être faire des points éclairs, peut-être. Ouais. Ah, faut que t'attaquer, Bulbizarre. Ok. Vas-y, point éclair. Une potion. Super. Ça devrait rapporter pas mal en plus parce que c'est vraiment une attaque de type. Enfin, c'est vraiment une double évolution, donc ça va rapporter pas mal. Donc il y a les picots, donc si on change des Pokémon, ils seront empoisonnés. Echo. Putain, il vit vraiment beaucoup de nos attaques. Point éclair, ça passe! Bulbizarre passe niveau 7, Bulbizarre va évoluer. Et Tipu va évoluer, parfait! Parfait! Quoi? Bulbizarre évolue? Ça c'est cool déjà. Après c'est niveau 36 pour les deux. Air bizarre. Et c'est pas fini parce que Tiplouf évolue également. Prends un plouf. Parfait. Vénard, c'est quoi ça? Waouh, on s'en fout. Alluritant, la ligue Nord n'aura qu'à bien se tenir. Prends ce badge pour la peine. Le premier badge, les gens! Parfait. Le badge prouve la valeur de dresseur. Avec un badge, les Pokémon échangés tombent les routes jusqu'au niveau 20. Aussi, prends ceci. Cage éclair. Ça peut être cool. Ça peut vraiment être cool. Rengorgement. C'est pas du tout rengorgement que tu m'as donné, mais c'est pas grave. Par contre, pour le coup, ça peut m'intéresser... Ça peut m'intéresser d'apprendre cage éclair à quelqu'un. Enfin, si quelqu'un peut l'apprendre. Un plouf pourrait l'apprendre, cage éclair. À la place de quoi? À la place de rien pour le moment. On va pas lui apprendre. Mince. Non. Oui. Ok, bon. On va retourner au centre Pokémon, on va se soigner, puis on va s'arrêter. Ah, bonjour. Salut, je me présente. Oris. Le professeur Cadelaria m'a demandé de te donner quelque chose. Viens un peu par ici. Vous trouvez des les Pokémon du Nice, ça se passe? Ah, les escaliers sont juste là. Quoi? Montez dans ma chambre. Je me présente encore une fois. Je suis Oris, une scientifique, comme tu peux le voir. Ma spécialité, c'est les dresseurs. Je suis une amie de Cattelaria depuis l'université et elle m'a demandé de te donner un coup de main. Pour fêter... Ok, on obtient un coup. Donc voilà, ça...
c'est pas rando, et heureusement, parce que en fait, si ce serait rando, ça, ça pourrait bloquer le jeu. Donc, voilà, donc ça. Ok, donc faut qu'on aille voir les vestiges à côté. Donc c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode, les amis. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on continuera peut-être pas mal en live. On en fera de temps en temps, je pense, en live. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait vraiment toujours plaisir. On commence gentiment à avancer, donc voilà. Globalement, ce sera du ce sera du Pokémon entre guillemets classique, mais puisqu'il y a deux jeux et j'ai pas, enfin puisqu'il y a Noir et Blanc et Noir et Blanc 2, et que je les ai déjà fait, mais jamais en solo, je me suis dit tiens pourquoi pas les faire, mais ajouter un petit. J'adore les effets de cam. Les effets de cam sont vraiment bien faits. Dommage que le jeu est un peu mal vieilli, je trouve niveau texture, mais sinon. Sinon, je trouve les effets de cam assez sympas et assez innovants pour l'époque. Et donc oui, vraiment le random pour moi va me permettre de redécouvrir le jeu en fait. Merci à tous les amis, on se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite. C'était Para, n'oubliez pas les petits avec les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Le petit abonnement. Salut tout le monde, allez ciao ciao. Bye bye tout le monde, salut. Allez bye.